Merci de suivre Canal 3. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. À quelques mois des municipales et communales, le mercato politique bat son plein. Un des gros transferts en date, c'est bien celui de Zéphirin Kindiaroundé. L'ancien baron de l'Union sociale libérale a rompu les amas avec la résistance et bat désormais pavillon rupture à travers le parti Bloc Républicain. Opérateur économique, ancien député des 5e et 6e législature à l'Assemblée nationale, ancien de Zobo Domain, Zéphirin Kindiaroundé nous dira dans cette émission les raisons qui l'ont poussé à finalement rejoindre Patrice Talon, dont il n'y a pas si longtemps que ça, il critiquait vertement la gestion. Zéphirin Kindiaroundé, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le tout premier invité de cette nouvelle saison de Zone Franche que j'aurai le plaisir de présenter avec Tanguy Agoy. Tanguy, bonjour. Bonjour André Ndoussa. Voilà, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bienvenue chez nous. Ok. Alors, honorable d'entrée, j'ai bien envie de vous poser cette question. On va commencer déjà par votre, je dois appeler ça, déménagement jusqu'au Bloc Républicain. De l'UDD Wolaguédé au Bloc Républicain, il y a quand même eu du chemin. Hein. Il y a eu l'UDD Wolaguédé, il y a eu Foscori pour un Bénin émergent, il y a eu USN récemment, puis maintenant, le Bloc Républicain. Pourquoi cette transition-là? Pourquoi justement cette marche-là? Pourquoi le Bloc Républicain? Le Bloc Républicain, je laisse ça d'abord de côté. Je vais vous expliquer pourquoi cette transition. Pourquoi est-ce que nous avons choisi, nous, de rejoindre le train qui est déjà en marche, c'est-à-dire le train de la rupture. D'entrée de jeu, vous n'êtes pas sans savoir que nous avions pris part, et une part active alors, à l'installation, à l'élection du président Patrice Talon au second tour. Bien sûr, aux côtés d'autres forces politiques. Et chemin faisant, nous avons commencé à critiquer, je l'ai fait, je suis passé même dans vos studios ici, et j'ai donné mes raisons. Et qui explique, n'est-ce pas, qui justifiait ma réticence. Parce que, pourquoi j'avais d'abord critiqué, pourquoi je suis resté d'abord hors jeu, à la touche, c'est d'abord que je constate dans le fait que c'est une nouvelle façon de gérer, que nous n'avons jamais vue. Et pour quelqu'un comme nous, à l'ex-parti, hein, de l'UDD Wolaguédé, nous ne sautons pas les pieds joints dans une structure, dans un régime, parce que les gens y sont, parce que les gens y vont, pour les intérêts, pour nos propres intérêts. Mais nous voyons qu'est-ce que cela peut, n'est-ce pas, générer, qu'est-ce que ça peut, en quoi ce que ce fait-là profite aux à nos phase d'observation, c'était ça. Voilà, donc on a dû reculer pour mieux sauter. Voilà. Quand on est observateur, on ne prend pas la parole, on regarde sans opiner. Mais vous étiez plutôt actif dans la critique. On a été même à l'UDD l'un des premiers partis. Je me rappelle quand c'était hier, le 11 mai 2017, on faisait partie des premières formations politiques qui avons organisé une conférence de presse pour souligner et la manière dont de gérer la gestion, la gestion scandaleuse, désastreuse de Patrice Talon, on s'en souvient très bien. S'il vous plaît, nous avons critiqué ouvertement la gestion du pays, qui est faite du pays au plan institutionnel, au plan économique, social et tout ça. Mais il nous a fallu, comme à nos habitudes, trois universités d'été
pour nous rendre compte que ce qui se fait là, c'est plutôt la meilleure façon. Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis cette sortie de 2017 où vous avez tenu un discours, mais pour le moins acerbe, contre Patrice Talon, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans la gestion pour vous amener à le rejoindre Qu'il a fallu que nous organisions, nous ayons organisé trois. Et nous avons, au cours de nos assises de ces universités, ces trois universités de DT, il a fallu qu'à un certain moment, on s'éclate même en groupe thématique pour voir qu'est-ce que cela comporte, le PAG du président Patrice Talon. Mais vous savez, lorsque vous convainc, vous convainquez, lorsque quelque chose vous convainc, il ne sert à rien que de cacher. Exprimez-le. Nous, on a commencé par l'exprimer à notre sein, au sein, n'est-ce pas, de notre... Est-ce qu'on n'est pas allé très vite en besogne alors pour à critiquer Patrice Talon au début, en 2017 alors? Non, vous savez, c'est aussi l'expression même démocratique même que de dire je n'ai pas bien compris. Nous n'avons pas critiqué pour dire il n'est pas bon, il est mauvais, Patrice Talon. Non, on a dit mais on ne comprend pas. À notre sens, ce n'était pas, c'est du nouveau. C'est du nouveau. C'est plutôt vous. Nous que vous devriez normalement, soit était le contraire. Il fallait regarder, il fallait étudier, il fallait se convaincre un peu de ce qui se fait avant donc d'adhérer. C'est ce que nous avons dû faire. Nous n'avons pas critiqué pour dire non, mais il est mauvais, il est ceci, il est cela. Non, mais nous avons, cela avait paru à nos yeux, comme aux yeux de tout le monde. Nous avons, vous savez, je le disais souvent à l'Assemblée, que j'ai l'art de dire tout haut ce que beaucoup de gens chuchotent tout bas. C'est ce qui s'est passé. Et je suis passé chez vous ici, je n'ai pas attaqué la personne du président de la République. Mais j'ai dit, je me suis insurgé contre cette nouvelle forme de gérer le pays. Mais avec le temps, c'est moi-même qui ai appelé mes troupes, mon staff, pour dire, mais écoutez, voyons, qu'est-ce que cela comporte, le PAG. Nous avons fait, on s'est convaincu que c'est la meilleure façon de le faire. Et nous sommes convaincus même président Talon est le prototype, n'est-ce pas, de président qu'il faut pour un pays comme le nôtre, c'est-à-dire un pays qui aspire. Vous nous direz ça tout à l'heure. Il est finalement le un développement durable et sincère. Je voudrais, pour davantage permettre aux téléspectateurs de vous suivre et de comprendre votre démarche. Alors, pendant que vous faisiez ces universités de vacances, ces réflexions à travers donc les universités de vacances du parti UDD ou Wologadien, oui, vous étiez quand même USL et S-qualité de la résistance. Est-ce que vous partagez ces démarches-là déjà, avec vos camarades de la résistance de l'USL? Nous partagions avec eux. Et on n'était pas restés sans les inviter même parfois. Vous dites, mais réfléchissons. Voyons si véritablement ce qui se fait là est aussi mauvais que ça. Nous le faisions. Parce que nous avions adhéré à l'USL, par moi seul, Zéphirin Kenyan, on dit, c'est ensemble, donc c'est ainsi que nous avons ensemble, donc réfléchi, et avant même d'aller dans nos ouvertures de vacances, nous les invitions. Voilà. Est-ce que la période n'est pas aussi mal choisie? On est aux portes des communales, et puis vous savez, il y a beaucoup trop de mouvements politiques, je parle de mouvements, pas en tant qu'organisation, mais je dois dire de positionnement entre partis aujourd'hui, de sorte que même le déplacement aussi de l'UDD vers le BR est mis dans cet ensemble justement de mouvements-là. Est-ce que ce n'est pas opportuniste là, clairement? Monsieur Tanguy Agoy, cela en a tout l'air. Mais véritablement, ce n'est pas ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a fallu qu'on se convainque, n'est-ce pas, de ce qui se fait. Écoutez, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que le PAG s'exécute, se concrétise, et nous avons des éléments de réponse. Nous avons du grain à moudre. Quels sont les éléments que vous avez? Justement, vous voyez, tout le pays aujourd'hui est véritablement en chantier mouvant. Ce n'est pas chantier pour chantier, c'est des chantiers qui sont en mouvement.
perpétuel mouvement, au quotidien, et cela au quotidien. Alors vous voyez, lorsqu'il y a des réalisations concrètes, touchables, indexables, alors que c'est pour ça que vous échinez à dire nous voulons du bonheur des populations, il servirait alors à quoi que de faire donc pour avoir, que d'avoir la langue de bois et ne pas l'exprimer. C'est comme le dit Tanguy Adoy, voilà. C'est pas l'opportunité des élections municipales. Pas du comme tout. Là, vous, ancien maire de Zogodomé, qui a motivé votre démarche, votre revirement, c'est que forcément il faudra aller chercher sur un autre terrain. Vous êtes opérateur économique, vous voyez beaucoup de chantiers mouvant, et vous êtes béton armé, c'est-à-dire opérateur économique, vous êtes dans ce domaine-là justement des BTP. C'est plutôt à ce niveau qu'il faudra aller chercher les raisons de votre départ de USL. Vous avez été alléché un peu par ces opportunités de chantier, de marché, de construction? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, je suis de formation ingénieur de travaux publics. Je suis rentré au pays de mes études depuis février 1988. Pour autant, je n'ai pas... Et je ne saute pas les pieds joints dans un système parce qu'il y a affaire, parce qu'il y a du grain à moudre. La preuve est que je n'en ai pas demandé jusque-là. Je n'ai pas de chantier que j'ai demandé à réaliser. Ça peut parce être, que, ça non, peut bien plus mais tard. Je vais vous dire, hein, je vais vous dire hein, que en ma qualité d'homme politique, je ne suis pas de nature à parler de moi-même. Mais retenez que cela fait bientôt 32 ans. Ça fait 32 ans de vie politique active. Est-ce que vous voyez, j'ai suffisamment, je pense, la maturité pour dire, aller et venir, pour choisir. Pour dire, à écouter, mais ceux qui croient en moi, allons-y, c'est bon. Et c'est ça qui profite au pays. C'est ça qui relève, écoutez, cela relèverait d'une gageure si on ne reconnaît pas la témérité, la persévérance et la tempérance du président Talon à gérer ce pays. Tout ce qu'il fait, je pense, à mon humble avis, nous pensons à notre avis que c'est le prototype de président qu'il faut, je disais, pour un pays comme le nôtre qui aspire à un développement véritablement durable. Certains pensent plutôt que c'est parce que, entre autres, hein, vous êtes un peu essoufflé par cette option de la résistance-là, qui quand même, parfois, a commencé par voir ces mouvements m'affaiblir. Est-ce que ça ne fait plus frais tellement, ça n'a plus d'espérance tellement à la résistance? On a choisi peut-être d'aller vers le bloc républicain parce que, bon, on peut le justifier par les actions de Patrice Talon et se faire peau blanche. Monsieur Tanguy Adoy, c'est une habitude. Elle peut être sale, elle peut être mal appréciée des uns et des autres selon que l'on est dans selon la compréhension de chacun. Moi, nous avons l'habitude, hein, à l'UDDW, l'ex du Parti national, de réfléchir. Avant, je l'ai dit tantôt avant de le faire. Vous savez, je voudrais vous prendre au mot, et vous me le permettez. Je défie quiconque dirait qu'il m'a vu, moi, une fois dans un quelconque mouvement de résistance. Parce que pour moi, l'opposition devrait avoir simplement un chef de file. L'opposition doit avoir un programme d'action. L'opposition hein, ne devrait pas être comme ce que nous vivons aujourd'hui, où chacun tire le drap de son côté. Mais vous y étiez. J'y étais. Mais si je suis sorti, j'explique en réalité ce pourquoi je suis sorti. Je ne me retrouvais pas dans une opposition qui, d'abord, à mon avis, rien ne s'appelle résistance. Rien ne s'appelle comme ça. Mais je sais qu'en politique, on est habitué à des thèmes classiques comme la mouvance, l'opposition et tout ça. Mais résistance me paraît, moi... Mais vous, pourtant, vous en êtes accommodé pendant 4 ans. Je ne suis jamais sorti, je dis. Hein, je dis qu'au défi, quiconque me dirait qu'il a vu Kenja Moundé Zéphirin dans un quelconque mouvement de la résistance. Mais vous m'auriez vu dans débattre autour des questions donc de relatives à l'USL. Alors justement, clarifiez un peu. Oui. Depuis, vous parlez, vous insistez sur UDD ou l'Ogadé. Mais vous parlez peu de l'Union sociale libérale, dont vous faites... L'UDD Ologuédé a
adhérer à l'Union sociale libérale. Alors, pourquoi vous ne mentionnez pas l'USL depuis que vous faites mais je l'ai mentionné. Vous ne pouvez pas m'obliger à dire, dire ce que je ne voudrais pas dire. C'est-à-dire quoi? Je suis parti de l'USL. Nous sommes partis de l'USL. Écoutez, voilà un parti politique qui, à la faveur de la dernière communale, a pu avoir pour elle seule 403, je précise bien, 403 élus locaux et communaux. Vous nous voyez prendre des décisions n'importe comment? Non, on ne peut pas. Il faut réfléchir. Quel point faites-vous de votre adhésion à l'USL aujourd'hui? Non, nous faisons le point, mon point à l'USL, je vais vous le dire, je ne vous le cache pas. Je suis de nature à m'accrocher à mes décisions. Ce n'est pas facile pour moi. Je n'aime pas me dédire, je n'aime pas lâcher. Permettez-moi de dire quelque chose sans flatter. Je suis, on dit, hein, il est de notoriété et... un gagneur ne lâche jamais et qu'un lâcheur ne gagne jamais. Nous sommes comme ça. C'est votre bilan de l'USL, ça? Moi, je veux savoir concrètement quel est le bilan, positif ou négatif, que vous faites de votre adhésion à l'USL, de cette appartenance justement à l'USL. Notre appartenance à l'USL n'a souffert d'aucune faille. C'est simplement que nous ne nous voyons pas dans le fait de rester forcément dans une opposition à un régime qui travaille très bien. C'est ça, moi, vous ne reprochez rien à l'USL. Hein? Pourquoi vous partez seul et vous ne tentez pas, par exemple, un mouvement d'ensemble? Essayez de convaincre peut-être les autres responsables de l'USL pour partir ensemble. Nous l'avons fait. Et je suis pas tenu de vous dire ici ce à qui j'ai parlé et vous allez voir dans les tout cas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos rapports avec Sébastien Diavon? Dans nos rapports avec Sébastien Diavon, rien n'a véritablement. Il y a pas, c'est sans anicroche. Mais nous reprochons le fait que nous on ne se voit pas hein, dans une position frontale contre un gouvernement qui travaille très bien. Vous lui avez dit, il a compris. Non, écoutez. Pourquoi il n'est pas avec vous? Permettez que je me taise sur ça. Comment a-t-il réagi à votre départ? Pardon? Comment a-t-il réagi à votre départ? N'importe comment, sachez que je le lui ai dit de la manière la plus polie qui soit, avant donc de déposer ma démission. Ouais. Ça veut dire quoi? Vous avez adhéré à l'USL? Vous avez même occupé un poste de responsabilité au sein des instances parties, sous le manteau. Écoutez, l'UDD Ologuédé. Et aujourd'hui, pour expliquer votre adhésion, l'UDD Ologuédé est loin d'être un parti. C'est plus qu'un parti politique, c'est une religion. Vous savez, l'UDD Ologuédé ne m'appartient pas en réalité. Je l'ai hérité, nous l'avons hérité du président et du feu président. Justin Tometi à Rwanda. Nous sommes nombreux. Est-ce que vous voyez? Je ne me vois pas moi seul prendre une décision au pied levé pour dire bon, allons-y, fais ceci, cela. Non, c'est des gens qui, pour la plupart même, sont plus âgés que moi. Mais qui, pourtant, je ne sais pour quelle raison, ont voulu que ce soit moi qui porte ça depuis 2008. Alors vous voyez, je ne peux pas partir seul. Sauf que, nous avons adhéré à l'USL ensemble. Les autorités de l'USL ont placé en moi une certaine confiance. Je faisais partie des 15 membres du bureau politique national. C'est alléchant, c'est bon, etc. Mais ce n'est pas ce qui me tient. C'est tellement alléchant, mais apparemment, ça a perdu un peu de sa superbe. Et du coup, vous êtes parti. Ce n'est pas ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire et qui n'est pas réel non plus. Ce n'est pas notre rôle aussi. Je vous dis... Hein, nous sommes partis de l'USL parce que nous n'avons pas jugé utile hein, d'aller contre un régime qui travaille comme il se doit. Mm.
que veut le peuple. En la paix et membre, le paix. En tant qu'ancien membre de l'USL, ouais. Zéphiré Kenyamondek, comment expliquez-vous, ou si vous voulez, expliquez-nous pourquoi l'USL a eu autant de difficultés pour se conformer, pour avoir son existence légale, puisque vous avez été au cœur des différentes démarches entreprises par ce parti, à cet effet. Oh, mais écoutez, nous avons été, l'un des 15 membres de l'équipe crème, hein, de cette formation politique. Pour autant, nous ne sommes pas au secret des dieux pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Nous tenons des réunions qui sont à notre niveau. Que vous voyez. C'est quoi, il y a une instance de décision supérieure à ces 15 membres. Forcément, ça. Nous avons des membres, des présidents d'honneur. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, on ne peut que prendre des décisions qui sont à notre niveau. Est-ce que vous voyez? Nous faisons des fiches et nous remontons. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir nagé peut-être dans la sous-information, justement, à ce niveau-là? Puisque vous ne pouvez pas nous dire concrètement ce qui a pu empêcher l'USL d'avoir, justement, son papier à cette époque, alors même que vous appartenez à cette crème que vous aviez évoquée. Ah oui, je l'ai dit tantôt. Je vous connais, vous titillez les gens. Je suis là aussi pour répondre. La petite j'ai dit. on se connaît. On veut la comprendre. Je suis là, j'ai décidé. Il y a 4-5 mois, vous m'avez appelé un certain nombre de fois et dit, je ne viens pas. Tout à fait. Alors, maintenant, si je m'honore de cette rencontre, de cette échange, c'est parce que j'estime qu'il faille expliquer aux populations ce que vous me demandez. Mm-hmm. Ça veut dire que même si vous ne me posiez pas certaines questions, je m'étais préparé à les recevoir. À y répondre. À éclairer la population. Justement pour davantage éclairer la population internationale. C'était UDD au Logadé 2008-2009, mais avant la Renaissance du Bénin, donc UDD, vous avez un peu collaboré aussi avec FCBE ou le régime Foscolé pour un Bénin émergent, USL, vous avez remis UDD en selle, aujourd'hui bloc républicain rupture. Comment expliquez-vous cette instabilité? Il n'y a pas d'instabilité là. Ah non, non, je m'excuse, suis-je comme ça? D'accord. Expliquez-moi. Je voudrais vous-même vous dire que, je voudrais vous pousser un peu plus loin. Peut-être que vous ne le saviez pas. Saviez-vous que j'ai été au GRB? J'ai été à la tête du BEP Atlantique. Entendez, bureau exécutif provincial. Je ne sais pas si j'ai la chair de poule. Lorsque je voudrais sortir un nom, et il s'appelle Pierre-Désiré Sadelès. C'est lui qui m'a passé la main à la tête donc de ce bureau-là. Je le dis parce que je m'excuse un peu. Je ne sais pas si ce patriarche est encore de ce monde ou pas. C'est pour cela que je vous explique. Parcours, mais moi, impressionnant. Ce parcours m'a amené à aller à l'Assemblée nationale révolutionnaire, la dernière, mandature. Fouillez bien, vous allez voir. Donc, nous, on ne fait pas de. On ne marche pas selon que les choses vont de tel côté. Les couleurs qui changent. Je vais vous expliquer. Oui. Étouffer un invité. Allez-y, oui. Allez-y. J'ai fait le PRPB. J'ai été le premier responsable de l'organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin. Mais il s'est fait qu'après ça, nous avons fait la transition, nous avons adhéré à la RB et nous avons fait partie des 17 membres du bureau national, du bureau politique national, on y est resté pendant 17 ans. Vous êtes parti. Nous sommes partis. Parce que la RB ne répondait plus à vos idéaux. Je vais vous l'expliquer. Moi, je n'ai pas ma langue en poche. Hein? Je n'ai pas je n'ai pas la langue de bois. Je vous dis. En 2008, non, en 2006, à l'arrivée du Boniyahi, du président Boniyahi, nous avons mouillé le maillot pour notre candidat, le candidat de la Renaissance du Bénin, qui
au second tour, avait appelé à voter pour le président Boni Yayi. Nous avons voté pour le président Boni Yayi. Nous sommes montés au créneau nous-mêmes, sur notre propre chaîne, la 102.2, à Zogodoumé. La radio, la voie du développement, comme on s'y plaît à le dire. Et puis, nous avons constaté que, mais pour des raisons qu'on ne nous a pas expliquées, on nous demande simplement donc d'aller contre. Je dis, mais je ne suis pas un enfant. Vous voyez, moi, quand on m'amène, on ne me convainc pas. Surtout pour la bonne cause qui profite à l'intérêt général, je désiste. Je me désiste toujours. Vous êtes parti de la RB. Voilà. Voilà comment je suis parti de la RB. Mais lorsque je suis parti de la RB, nous étions 49 cadres le même jour, n'est-ce pas, à déposer notre mission. Pour aller ressusciter UDD Wolodé. Pour aller faire procéder à la résurgence de l'UDD Wolodé, et qui était dans les cendres, était déjà. Tout à fait. Voilà. Mais nous sommes allés, on a travaillé avec, il a fallu un temps. Moi, je n'ai jamais pratiquement, et ça va vous étonner, je n'ai pas fait partie de la FCBE. Mais c'est des partis satellitaires. De la FCBE. Est-ce que vous voyez, c'est des partis qui gravitaient autour de la FCBE. Mm-hmm. Voilà. Donc quand vous me dites, bon, il est parti de la recette du Bénin, attendez, il est parti de la recette du Bénin, il a fait la FCBE, demandez aux responsables de la FCBE la place que Laurent Zéphirin Kenya a occupée, ils vont vous dire ça n'existe pas, ça n'avait pas existé, ça n'existe pas à ce jour non plus. Mais nous avons accompagné mon parti, avait accompagné la FCBE. Voilà. Alors, et de la FCBE, puisque vous me parlez, vous me faites, vous me donnez l'occasion de parler de moi-même, ce dont je ne suis pas habitué, de la... De la FCBE à l'USL. À l'USL, très bien. L'USL, parce que nous avons soutenu la candidature du président à Javan sans que cela ne soit formalisé comme étant comme un parti politique. Souffrez que je vous dise que la sagesse recommande que vous suiviez celui-là. C'est lorsque je n'aurais pas suivi que vous pouvez me trouver donc comme quelqu'un qui va de branche en branche. Je ne suis pas un brimborio politique. C'est la sagesse qui recommande que je fasse ce que j'ai fait. Et voilà comment ça s'est passé. Donc je ne suis pas, disons... pas beaucoup de mouvements politiques. Mais je n'ai pas vous faire beaucoup de balance politique. Non. Comment voyez-vous la vie des partis politiques après... Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Bon, vous avez donné votre version, hein. Nous, on n'a pas été d'accord avec vous, hein. Allez-y. C'est pas que vous allez. Moi, je voudrais bien qu'on aille. Non, je ne veux pas prendre cette image de quelqu'un qui va de parti en parti. Vous l'avez suffisamment expliqué. Je vous laisse. Je vous laisse suffisamment expliqué. Alors, en septembre, donc, de la FCBE, je n'ai pas. D'abord, je dis, je n'ai jamais adhéré au parti FCBE, mais notre parti UDD Wolodé les avait accompagnés. Ça fait un. Nous avons, puisque le président Yayi Boni, l'ex-président de la République, avait constitutionnellement achevé ses deux mandats, écoutez, il fallait que le parti s'accroche, s'aligne derrière un candidat. C'est ce que nous avons dû faire. Monsieur candidat, après les élections, après le premier tour, nous a demandé à voter donc pour le président Patrice Talon. Et je dis, je répète, il ne s'est pas trompé en le disant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous sommes restés là et nous ne sommes pas en train de nous voir à travers les critiques qu'on continue de se formuler ça et là, alors que ce qui se passe là est très bien. On va en arriver maintenant à d'autres actualités, notamment politiques et au plan national. Hein. On va laisser un peu UDD Wolodé et l'USL. En septembre 2018, le Parlement a adopté quelques tests qui devraient conduire justement
conditionner la vie des partis politiques désormais, l'achat des partis politiques, etc., le code électoral. On en a fait une expérience, une expérimentation, si vous voulez, à la dernière consultation électorale. Comment voyez-vous la vie des partis politiques aujourd'hui, à partir de cette réforme-là engagée par Patrice Talon et ses soutiens politiques? Vous savez, voilà autant de raisons qui justifient la dernière décision que nous avons prise. Le bloc républicain. Aller vers... Nous, on va parler de bloc républicain. Oui, oui. Mais nous, on a pris la décision, l'historique décision, de soutenir, et ceci jusqu'au bout, le président Patrice Talon. J'ai évoqué tout à l'heure les raisons. J'ai dit, il a amené une nouvelle. Il n'a pas inventé en réalité. Il a parlé de réforme. Nous avons tous adhéré à ça en nous ralliant à sa cause au second tour. Nous avons, dans un premier temps, nous avons dit, mais écoutez, est-ce que ça va nous conduire à bon port? On a organisé des universités d'été et on s'est convaincu que ça va. Et en notre qualité d'homme politique et surtout au plan professionnel d'ingénieur de travaux publics, on est en train de voir des choses. Écoutez, qu'est-ce que quelqu'un viendra faire et qui va être meilleur que ce que Patrice Talon est en train de faire? Pour le moment, je ne le vois pas. D'accord. Mais expliquez-nous comment vous voyez la vie des partis politiques aujourd'hui, après les réformes. Voilà. Après les réformes, vous savez, hein, et toute nouvelle expérience, toute innovation frotte toujours au départ. Hein, les débuts frottent toujours. C'est un peu ce à quoi on a... Le Dédé Guédé en a souffert. Le Dédé Guédé en a souffert, vraiment. Non, il fallait dire et l'USL parce que vous citez, vous référez à une. À des tests de données. À des tests de données. Mmh. Et à cette date-là, l'UDD n'existait plus. En principe. Mais l'UDD constitue un compartiment d'un parti qu'on appelle l'USL. Nous sommes d'accord. L'USL en a souffert puisqu'elle était absente aux élections. L'USL en a souffert parce qu'elle a été absente aux élections. J'ai été sur notre liste et qui n'est pas passée la tête de liste, comme à mes habitudes depuis la réforme du Bénin. Vous n'avez jamais compris comment est-ce que l'USL n'a pas pu obtenir son papier pour officiellement... J'ai estimé que... Oui. Vous savez, nous sommes en train... De voir des partis aujourd'hui recevoir leur récépissé. Je me dis certainement que l'USN n'a pas encore le temps donc de s'y accommoder, de se mettre prêt, c'est tout. Alors, la question peut-être de Tanguy, c'est quoi? Nous avons aujourd'hui une dizaine de partis politiques pour un Bénin qui en comptait plus de 200, y compris UDD ou l'OGD. Comment vous appréciez cette réforme-là? Non, cette réforme, vous savez, nous aspirons à un développement durable. Nous aspirons à... Nous avons aujourd'hui la volonté de devenir une grande puissance. Et lorsqu'on se réfère simplement, par exemple, si vous voulez... à la Chine, cette grande puissance aujourd'hui. Mais il y a une cinquantaine d'années, la Chine faisait partie des pays les plus pauvres de la planète. Et si entre-temps, s'il n'y avait pas eu entre-temps des réformes, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis d'accord que la génération au cours de laquelle, c'est-à-dire une réforme majeure comme celle que nous vivons, nous faisons aujourd'hui au Bénin, intervient, cette réforme fait toujours, cette génération, j'allais dire, souffre un peu toujours. Est-ce que vous voyez? Parce que une réforme suppose de classer des lignes. Est-ce que vous voyez, c'est un changement d'habitude. Bousculer dans des lignes, changer des habitudes. Et en le faisant, ça ne pourra pas être apprécié de tout le monde. Ça ne peut que
être comme ça. Et vous, le départ doit toujours être difficile. Vous, j'en ai subi. Mmh. Je suis, disons, j'en suis, si vous voulez, rescapé. Mais ça ne me dérange pas. J'ai subi ça. On a constaté une accalmie politique ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a les adhésions qui tiennent le devant de l'actualité aujourd'hui. On n'a pas vraiment l'impression que les partis politiques mènent la danse, animent la vie politique nationale. C'est quoi? C'est un essoufflement ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dort? Écoutez, c'est simplement parce que tout le monde est encore à l'expérimentation. Tout le monde veut... aussi bien les anciens partis, comme... l'UDD ou l'OGDR, je ne sais pas, UCB Faba, et ceci, etc., sont encore. C'est d'abord le début. Le début, je l'ai dit tantôt, flotte toujours. Personne n'a encore pris la mesure réelle des choses. C'est comme ça. Et vous voyez, et les amis de l'UP, comme les Républicains. Les Républicains. Nous, Républicains, on n'est pas en train d'animer encore la vie comme avant, parce qu'on continue d'apprendre à esquisser les pas de la nouvelle danse. Les tests sont si difficiles, si compliqués à mettre en œuvre. Monsieur Tanguy Agoyi, permettez que je vous affirme quelque chose que vous connaissez déjà. Je vous confirme, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. La critique, dit-on, est facile. C'est l'art qui est difficile. On se réfugie souvent. Vous voyez de loin. C'est pour le réfugier aussi. S'il vous plaît, vous voyez de loin, vous qui êtes à la touche. Puisque vous convenez avec moi que vous n'êtes pas politique. On est à la touche. Vous êtes à la touche. Vous êtes censé mieux voir le jeu joué que celui qui est sur... Le terrain. Vous reprochez beaucoup de choses souvent à celui qui est sur le terrain, alors que lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il souffre. Il fait ce qu'il vit. Vous voyez. Donc, c'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Je ne suis pas venu pour défendre et même si je me mets dans un rôle de défense des deux partis, des blocs l'UP et... Vous êtes citoyen, c'est votre droit. Je suis citoyen, c'est mon droit. Et puis, c'est aussi mon devoir que de partager avec les Béninois, mes compatriotes, mon point de vue et ce que j'ai vécu, mon expérience politique. Voilà. Vous avez dit, quand vous avez réfléchi, que vous avez pris votre historique décision donc d'adhérer à la rupture, vous avez fouillé dans les partis politiques pro-rupture et vous avez porté votre choix sur le bloc républicain. Quels sont les arguments qui ont milité en faveur de ce choix? Je vais vous le dire peut-être à ma manière. Vous savez... La politique, c'est l'art de gérer la cité. Mmh. C'est prendre une part active dans la gestion de la cité. Et pour le faire, il faut être un citoyen convaincu. Oui ou non? Le citoyen convaincu, autrement dit, il faut être républicain. Il faut être républicain avant de chercher à faire progresser. Certains pensent plutôt, la gymnastique sémantique, c'est pas mal. Certains pensent plutôt que de l'autre côté, en tout cas, c'est ma manière de géographique d'expliquer les choses. On a compris. Je préfère expliquer en m'amusant. C'est mon. Mais certains pensent que vous avez fait le choix des républicains en tenant compte des réalités qui existent dans votre espace géographique, géopolitique. Je veux parler de la 24e circonscription électorale. L'UP, on sait qui sont là-bas. Et avec qui vous n'avez pas une bonne intelligence? Est-ce que ça n'a pas décidé aussi ce choix-là? C'est-à-dire que, bon, parce que mes ennemis sont peut-être à l'Union progressiste, bon, il vaut mieux que j'aille m'accommoder avec, m'associer à des gens moins dérangeants. Monsieur Tanguy Agoyi, voilà des questions qui me relancent et qui me font plaisir. Ah oui. Ah oui. Je vous fais plaisir. Et je vais vous dire, en 2002, lors des premières élections qu'on appelait locales, communales, Zéphirin Kenya Houndé
n'étais même pas conseiller quelque part, en dehors de mon passé politique, mon expérience que j'ai faite avec, sous la Révolution. Mais je suis venu, j'ai été, je peux dire, débarqué à Zogbodome à quelques jours des élections. Vous allez me dire pourquoi. C'est pas parce que dans un premier temps, je voulais même me présenter à Calavi. Est-ce que vous voyez? Retenez au passage que en avril prochain, j'aurai bouclé 30 ans à Calavi. Donc je voulais le faire, mais quand je ne vais pas aller dans les détails pour vous, la présidente de mon parti de l'époque avait reçu un message venant d'un député, d'un aîné député, qui était à l'Assemblée à l'époque, qui a dit, mais écoutez, monsieur le président, madame la présidente, moi, je ne suis pas sûr de vous, de décrocher pour vous le poste de maire de Zogbodome. Donc, il faut placer... Mais il y a quelqu'un que vous voulez placer à Calavi, qui est le seul qui pouvait tenir tête à des gens qui étaient donc dans des... qui occupaient de postes, de grands postes dans d'institutions républicaines. Lorsque le président de mon parti, la présidente du Bénin, m'a donné l'information, j'étais tombé des nues parce que tous mes calculs étaient déjà donc focalisés sur Calavi. Je suis parti. J'ai affronté comme il se doit et j'ai réussi. Est-ce que vous voyez? J'étais sorti du néant. Donc, que personne ne pense que Zéphiré Kenyan, on craint quelqu'un, c'est faux. La personne ou les personnes dont vous parlez savent que je ne peux pas les craindre. Et que alors, je ne les craindrai pas. Vous êtes maintenant membre du Bloc républicain. Vous assistez là, du coup, en direct à la guerre de positionnement. Vous personnellement, quelles sont vos ambitions dans 4 mois? Vous savez, monsieur, vous, c'est André Dossa. Mmh. C'est que lui, vous avez oublié mon nom de coupé. Monsieur André Dossa, et vous savez, Zéphirin Kenyaoundé, je ne parle pas de moi-même, je n'aime pas le faire d'ailleurs, je ne suis pas de cette catégorie d'homme politique qui fait les calculs de positionnement. Vous faites à l'aveuglette? C'est dangereux. Je vous l'explique, c'est pas dangereux. Oui. Tout se fait au mérite. C'est parce que tout se fait au mérite. Lorsque vous savez le faire, lorsque vous êtes capable de le faire, lorsque c'est vous qu'il faut, les responsables n'hésitent pas à vous positionner. Parlant de mérite, qu'est-ce que vous apportez par exemple à vos nouveaux alliés politiques, les Républicains? Qu'est-ce que vous voulez apporter avec Je vous ai parlé tout à l'heure. Qui peut vous faire mériter par exemple de retourner à la. Je vous ai parlé tout à l'heure. À la mairie. J'ai évoqué tout à l'heure le nombre d'élus locaux et communaux que draine l'ex-parti UDD Wologhédé. Vous savez, à la date d'aujourd'hui, je suis encore conseiller communal. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que j'ai besoin de venir faire... Cela dépendra de la volonté des responsables du Bloc républicain, mon parti politique. Aujourd'hui, UDD Wologhédé, c'est 3 conseillers, je crois bien, si mes informations sont bonnes. 2 à Kizai, puis au niveau de l'arrondissement central. C'est pas beaucoup, non, pour le BIA, qui vise certainement à la mairie de Zogbodome. Alors, vous qui savez. Compte, s'il vous plaît, 19 conseillers désormais. D'abord, je vais vous dire, hein, s'il est vrai que les partis. Non, les lois. Comment vous appelez le code électoral, les codes électoraux, règle des choses en bien. Il est aussi de bon ton qu'on reconnaisse que leur faiblesse. Zogbodome a été installé quelques jours avant qu'on me donne
que le qu'on me donne non, que la Cour suprême nous donne raison sur plusieurs autres conseillers. Nous sommes 17. Vous voyez. Kenya on les effirait, qui n'était même pas là, qui n'était pas à l'installation, avait été porté par un candidat. Ma procuration avait été portée par un conseiller. Mais l'actuel maire a eu juste une voix de plus que moi. Et le lundi qui a suivi, la Cour suprême a débouté le parti que j'avais en face de moi au profit de ma formation politique. Vous voyez, donc, je vais dire, voilà qui confirme la sagesse sur laquelle le pouvoir est divin. Vous voyez, le pouvoir est divin. Tout ce que vous pouvez imaginer, pour tout ce que les gens peuvent raconter de vous, par exemple, Dossa, oui, ne vous ressemblerait toujours pas. Et lorsque vous allez surtout, que dirais-je, c'est quand les gens font de renseignements, ou lorsque lorsque les gens se renseignent correctement sur vous, ou lorsque ils se rendent à l'évidence, qu'ils disent, écoutez, ce que j'avais entendu, ce n'était pas la réalité. Est-ce que vous voyez? Donc, dire qu'est-ce qui va apporter, je ne suis pas de nature à faire mon éloge, mais je pense que nous avons beaucoup à apporter au bloc républicain. Et vous aurez le temps, très prochainement, de le constater. On peut dresser rapidement le bilan de la décentralisation. Vous aviez été maire de Zogodomain, vous aviez été président de l'Union des communes du Zou, etc. Comment voyez-vous la marche du Bénin au plan donc de la décentralisation aujourd'hui? Est-ce qu'on a véritablement bougé depuis que vous aviez été maire? Je dois affirmer que, commencez par vous dire d'abord que les maires que nous fûmes, c'est-à-dire les maires de la première génération, on avait servi juste de cobaye pour ce système de décentralisation. Parce que c'était pour la première fois. C'était un saut pratiquement dans l'inconnu. Pourquoi est-ce que c'est dans l'inconnu? Non. C'est un nouveau système. C'est comme si j'ai expliqué les réformes combien élogieuses du président Patrice Talon. Mais qui ne sont pas au départ comprises, y compris nous-mêmes qui vous parlons. C'est ainsi que nous avions servi, nous, maires de la première génération, on a servi de cobaye. Je pense que... je vous donne un exemple de cobaye. Enfin, ce que j'appelle cobaye, pourquoi est-ce que je qualifie les premiers maires, donc, de... Pourquoi est-ce que je dis que les maires ont servi de cobaye, les premiers maires? Vous savez, en notre temps, il n'y avait pas ce qu'on appelle fonds FADEC. Il n'y avait aucun fonds que le gouvernement central envoyait faisait descendre dans les communes. Vous voyez. Moi, je me rappelle, comme c'était hier, que j'ai hérité d'un fauteuil qui avait à son actif 19 200. Alors que j'avais à payer plus de 540 000 environ dans 2 semaines. Ça dit, j'étais à 2 semaines de salaire. Et voilà comment les difficultés ont commencé. Les casse-têtes ont commencé. Mais nous avions réussi un peu. En tout cas, nous n'avons pas... On n'était même pas resté... on n'a pas fait 5 ans, nous autres. Est-ce que vous êtes fier de votre domaine natal aujourd'hui? Vous posez une question, on ne va pas à la fin, et puis vous posez d'autres. Bon, peut-être que c'est le temps. Peut-être que c'est le temps qui vous tient aussi. D'accord. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas fier de Zogodomain. Pourquoi? Parce que, depuis un certain temps, Zogodomain n'est plus représenté à l'Assemblée. C'est pas bien. Toutes les communes ne peuvent pas être à l'Assemblée nationale, non, forcément. C'est la raison que vous n'êtes pas fier. Vous savez, toutes les communes ne peuvent pas être forcément représenté. Mais qu'une commune comme Zogodomain, qui compte
D'abord, administrativement, ça fait 11 arrondissements. Est-ce que vous voyez la lourdeur, le poids démographique et tout ça? Vous imaginez ça, près de 100 000 habitants ne pas être représentés. C'est la faute à qui si Zogodo n'est pas représenté à l'Assemblée nationale? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Monsieur, les fiches de Zogodo sont dans les instances, sont dans les instances des partis politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Je dis, vous posez la question de savoir si je suis fier. Non, je ne suis pas fier. Oui. Et vous avez donné la raison. Vous avez dit parce que Zogodo n'est pas représenté successivement. Deux fois, seulement la présence à l'Assemblée nationale. Successivement, deux fois, c'est déjà trop. Pour une commune comme Zogodoma. Est-ce que les citoyens de Zogodoma sont plus préoccupés par la présence de l'un des leurs à l'Assemblée ou bien par l'amélioration de leurs conditions de vie, l'accès à l'eau potable, oui. L'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation? Tout ce que vous dites là, qui est-ce qui impulse ça? Le député, c'est pas lui qui... Attention, le gouvernement, le député n'est pas celui qui met en place les actions. Attention, le député, son rôle, le premier, c'est d'abord qu'il n'a pas un... Je suis d'accord que le député n'a pas un mandat impératif. Ça veut dire que le député est national. Mais le député ne s'empêche pas pour autant de rappeler que dans sa localité, il n'y a pas d'eau. Dans ça, à tel endroit, il n'y a pas la route n'est pas carrossable, etc., etc. Et vous voyez une commune comme Zogodoma s'absenter 8 ans d'affilée, c'est grave. C'est comme si vous dites que les autres représentants ne disent rien à propos de Zogodoma à l'Assemblée nationale. Les autres élus de la 24e, dont fait partie justement Zogodoma. Écoutez, vous avez beau être du même père, vous n'allez jamais vous confier à tout le monde comme si vous étiez en face de votre maman. Selon vous, vous, ancien maire, ancien président de l'ECOS, association des communes du Zou, vous avez même été au niveau de l'association mondiale des maires. J'ai été le premier vice-président de l'AFICODE. C'est que vous avez beaucoup les titres aussi. C'est une association internationale donc de maires francophones. Tout à fait. Alors, selon vous... Oui. Quels sont les défis des futurs maires qu'on va élire bientôt et qui auront un mandat de 6 ans? Vous voulez que je vous donne mon point de vue, sans interruption, s'il vous plaît. les prochains maires, d'abord, ils doivent être caricaturés. Bon, vous ne me demandez pas de caricaturer, mais leur rôle, c'est d'abord de faire en sorte que... les populations à la base comprennent véritablement le contenu du PAG. Ça, c'est un objectif politique, ça. Ça, c'est un objectif politique, c'est ça. C'est ça qui conduit au développement. Ah. Parce que le PAG, dans le PAG, il y a tout. Je m'entendais, mais lorsque vous me posez des questions sur le PAG, vous n'avez pas fait. Je vous dis, nous, là, et on l'a étudié. Et c'est ça qui nous a amenés. Et on est prêts à travailler. Vous avez parlé des chantiers mouvants, vous avez parlé des chantiers mouvants et tout ce qu'il y a autour. Donc ça veut dire que vous avez parlé du PAG. Un peu. Un peu. Qu'est-ce que vous auriez souhaité du PAG qu'on n'a pas abordé? Vous auriez, par exemple, posé la question, la fameuse question de dégagement des femmes, etc. On comprend que vous avez soif de parler de l'action de Patrice Talon après de vous étendre notamment sur la question du PAG. Oui. On comprend, mais le second, nous ici, on est tenu par le temps, il nous reste déjà plus. Et puis vous êtes comme ça, le PAG, vous? Ici, c'est nous qui posons la question. Normal. Je vais trouver de répondre. Donc, la seule mission pour La première mission, c'est de servir de réel relais, n'est-ce pas, du gouvernement central auprès donc de la population. Et dans un second temps, ce sera le fameux, disons, la fameuse préoccupation de développement réel à la base. Lorsque, par exemple, les maires, je vois certains maires se contenter des fonds FADEC pour construire de beaux bureaux. On veut travailler, construire en hauteur. On dit le maire a changé le visage de la mairie. Il n'y a pas que ça. Ces fonds devraient servir à améliorer, par exemple, les services marchands. En vue, n'est-ce pas, de rendre beaucoup plus... de renflouer les caisses de la mairie. Ce sera, je pense, le rôle des prochains maires. Mais je pense également, et je suis sûr que ce sera
la génération de la maturation. Parce que, bon, on s'est trop cherché. Et après, nous autres, ceux qui sont venus, ils ont travaillé. Et ceux qui sont en place aujourd'hui aussi ont travaillé. Mais le grand défi, hein, des maires, c'est ce qui arrive là. Parce que, on dit, le pas de danse change lorsque le rythme change. C'est un nouveau rythme aujourd'hui, impulsé, en cours donc d'impulsion. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, les gens doivent pouvoir relayer ça forcément et de façon la plus honnête qui soit. Voilà. Merci. Cela y va de l'intérêt de leur mandat et de leur localité. Au thème de cette émission, on va vous laisser conclure, honorable. Oh, mais ma conclusion, je peux dire, je me dois de reconnaître que votre chaîne est une bonne chaîne, bien écoutée, bien suivie. Merci. Et ce dimanche matin, je vais me permettre, si vous voulez, de sacrifier la tradition en souhaitant bonne année à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, sans vous laissez vous oubliez, vous qui êtes les acteurs, grâce à qui on nous voit, on nous entend aujourd'hui, et je vais dire que tout le monde adhère au PAG. Je sais de quoi je parle. Sans doute. Merci beaucoup. Merci Zéphirin Kendian-Hondé, ingénieur de BTP, opérateur économique, ancien député, ancien maire de Zogbodomé. Vous êtes tout nouveau membre du parti Bloc Républicain. Cette émission a été également suivie sur les ondes de Fraternité FM à Parakou, Solidarité FM à Djougou et FM Dialogue dans la Libori. Merci Tanguy Agoïn, mon accompagné, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche en 8. Portez-vous bien. Au revoir.